Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles, mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. Alors je veux ce soir avoir, bien entendu avant tout, une pensée pour les catholiques de France et partout à travers le monde, en particulier en cette semaine sainte. Je sais ce qu'ils ressentent, et nous sommes avec eux. Je veux aussi avoir une pensée pour toutes les Parisiennes et les Parisiens. Notre-Dame de Paris, c'est leur cathédrale et plus encore. Madame le maire de Paris était avec nous toutes ces heures, et dès les premières flammes, je sais son émotion et celle des habitants de la ville. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. C'est l'épicentre de notre vie. C'est l'étalon d'où partent les distances et d'où l'on se mesure depuis Paris. C'est tant de livres, de peintures. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même celles et ceux qui n'y sont jamais venus. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage, dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux, qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons. Nous rebâtirons Notre-Dame. Parce que c'est ce que les Français attendent. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Parce que c'est notre destin profond. Je vous remercie.